Et m'a salué madame Mathurin pour exposer magistral ça. Et moi c'est Junior Jules, moi c'est géologue et puis juriste, professeur de géologie. Et par rapport avec un travail que moi toujours à observer et moi-même tout en tant que géologue que toujours évoluer me là-dedans. Et bien que suivant analyse que me fait de exposer que on fait à ou fait un travail d'inventaire par rapport avec ensemble de ressources qui que ou identifié par rapport avec travail géologique yo, moi m'a essayé font ti analyse sous deux aspects. En prend exemple gisement de lignite yo qui c'est charbon naturel, en prend exemple gisement de maïsade que on ca évaluer à environ 26 millions de tonnes. Étude qui fait sous li ou capable exploiter gisement lignite ça pour produire électricité pendant 27 ans. Et l'on a regardé sous thermal yo par rapport avec nous gen environ 5 à 6 sous thermal en Haïti et par rapport à ouais c'est nous gen nous en Haïti ou bien capable dire dans région Caraïbes là c'est Haïti gen plus sous thermal ou capable utiliser sous thermal yo à travers ça yo relo des effets thérapeutiques et curative par rapport avec substance minérale que gen là-dedans ou capable exploiter chaleur pour faire réchauffage à travers et chambre d'hôtel ou ca utiliser ressources ça à des faits touristiques et nous même entre exemple sous puante et nous utiliser nos dimensions métaphysiques ou bien anthropologiques par rapport nous juste à faire des bagages là-dedans mais nous pas qu'on valeur yon bidon au minéral ou t'es capable utiliser ou mettez qui type de maladie il est capable de traiter ou par rapport avec diagnostic que on fait sous lui qui t'a vendre à des prix qui n'a pas conclure s'il vous plaît. Mm-hmm. Et par rapport avec ça moi pour me conclure et par rapport avec question géologie en Haïti son politique à faire pour que yo cap menon politique de paupérisation par rapport avec Haïti compte tenu de potentialité minière que nous gagnons. Et moi pour me conclure je suis capable de dire que la géologie, surtout la géologie économique, c'est une discipline incontournable pour le développement en Haïti. Merci. Et juste avant de poser la question, je vais saluer mon gros poteau de garçon qui est docteur Daniel Mathurin. Sans lui, Mme Ginette n'est pas capable de présent pour faire activer ça. Je profite de tout pour me saluer quelques membres de Café Philo. C'est Gavje Baptiste, ainsi que quelques membres de la Fondation Daniel Mathurin. C'est professeur. C'est bon. Lui qui enseigne la recherche scientifique. C'est oui. Lui qui initie la recherche. Je vais poser deux questions. Alors, vous avez identifié vous? Moi, c'est Jonathan Julien, étudiant en faculté de technologie en anthroposociologie. Et moi, j'ai deux préoccupations. Première, c'est que nous avons un bruit couru dans la société noire, c'est tout. Quand vous faites qui fait connaître qu'il y a un cobalt. Nous avons connaître si effectivement vous avez un cobalt. Et deuxième question, c'est que nous avons connaître ou nous avons dit nous, Mme Mathurin, pour qui ça, contrat Mignot est arrivé coupé dans le Parlement en 2013. Merci. Je salue tout le monde. Je salue la conférencière, Mme Mathurin. Alors, non, moi, c'est André Louis Wan, étudiant en anthroposociologie, faculté d'ethnologie. Alors, ça moi-même dit, c'est que je trouve genre de information ça yo ta supposé vulgariser descendre même dans plus bas niveau a, parce que en Haïti nous font histoire qui purement politique. Parfois nous pas jamais mettre bagaille ça yo dans l'école pour ti moun yo ta capable gon idée sou yo et ça ta permettre travail la fête plus bien. Et dans tout ça madame nan sot présenté là moi ouais t'ai gagné en pile et en fait professeur a sot présenté moi t'ai ouais t'ai gagné en pile et richesse minière mais me songe m'ta regarder yon vidéo yon c'était docteur Henri Vixama sur le point qui t'a présenté ça m'ta carrelé iridium qui moi ouais ou pas présenté. Côté qu'il était mentionné, et Haïti, ta deuxième pays qui t'a possédé plus iridium après l'Afrique du Sud. Et que yon tonne d'iridium
t'a évalué à 45 milliards de dollars. Et que côté dans le pays qui a été présenté, c'était Bénin, seulement dans le pays qui a eu l'uritium, qui fait de Haïti deuxième puissance, alors deuxième plus gros pays, qui gen, alors deuxième pays qui a plus d'uritium dans le monde. Là. Et si nous avons tenu compte, madame, des enjeux géopolitiques, yo, donc tout à l'heure, on a parlé de stabilité politique qui a dû gagner pour nous capables de faire extraction, yo, selon vous-même, et qui système, pas qui système politique ou t'es capable, nous t'as capacité qui t'as capable permettre que nous faire extraction ça. Parce que t'as allé au fond zoom sur Italie, moi ou t'es fond petit zoom sur démocratie. Donc nous t'as remis au bon moment explication. Qui système politique idéal ou même vous pensez qui t'as capable permettre que nous t'as capable faire extraction ça, qui t'as capable permettre nous faire développement parce que Haïti vraiment pas attendre. Merci. Tout le monde et moi-même moi c'est Manassé Laguerre. C'est un plaisir pour me là ensemble avec nous et moi remercier madame nan pour qualité intervention ça. Et mais toutefois moi gagne deux remarques par rapport avec intervention hein. Et première c'est qui ça? C'est qui aller dans sens géologie environnementale qui aller dans sens économique tout. Et en fait situation économique Haïti je veux dire capable de faire un pile monde poser question est-ce que sous-sol haïtien pas capable permettre de développer. Mais si regarder dans l'autre aspect, moi dit oui c'est vrai Haïti gagne plus de richesse dans sous-sol mais est-ce que il pas dangereux tout pour nous et pousser comme ça pour nous dire bon qu'il faut exploiter lorsque nous connaît exploiter des exploiter mine même l'exploitation mine il dangereux pour l'environnement il dangereux pour toute population qui vivent et dans espace là par exemple si nous regarder en Haïti même sable n'a pas exploité en Haïti dans mine sabio il dangereux nous pas faire ça bien. Pas besoin de dire nous pour l'autre bagaille. Et si nous prenons carré dans cela, et qui pille, et flagrant, et lui pose problème. Et puis, il y a un deuxième bagaille, et m'a fait une remarque sur lui que madame nous dit. Il y a toutes les institutions, par exemple, Banque mondiale, FMI et autres, que nous sommes capables de demander support dans le genre d'exploitation. Ça. Et moi, je pense que là encore, il est encore dangereux et pour nous et aller vers l'institution. Ça. Parce que il y a Ghana qui prend un piège, ça, qui a une exploitation et puis qui rentre et dans coopération avec les gens de l'institution ça et puis je dis à là tout le monde connaît ça qui a passé au Ghana c'est vrai qu'il y a des gens qui exploité mais les gens qui dans l'espace côté minier a exploité yo yo pas et retombé économique yo pas favorable avec eux même et retombé environnemental yo tout c'est eux même qui subissent surtout nous connait exploitation l'or et autres de toute et dangerosité que le gain. Merci. Merci monsieur chimiste qui forme école normale supérieure son sujet qui vraiment préoccupé me pas connait long. Mais désolé. On avance. On va présenter d'abord. Monsieur Clifford Toussaint, je fais naturel chimie école normale et m'a étudié à l'institution publique Inagé et ça fait ça intéresser. L'année dernière, j'ai fait un travail de 5 à 6 pages sur question ça et j'ai remporté un prix sur ça comment on a développé Haïti, comment nous avons développé Haïti à travers ressources naturelles. Oui, ou sort font un travail de vulgarisation qui est très 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 important. Qui t'a doué comme c'est aller dans pi bas niveau même monde qui parle l'école doué connait que nous chita sur de ressources naturelles qui ont un nombre très important mais nous doit aller plus loin ou sorti ça là oui nous gain ressources est-ce que c'est ressources qui là qui a développer nous sans que nous pas gain de procédé qui pour faire ça faut nous gain cob faut nous gain de coup de main mais cependant une grande question que me poser l'offre dit ça tout à l'heure. Oui, est-ce que si on nous prêts, est-ce que nous solvables? Est-ce que on a fait une confiance pour nous prêts ça? Parce que nous tout carwell dans quel niveau comme c'est que Petro-Caribé tombé. Mais l'autre bagarre encore qui parle de son base, pas connaissons son base revue de littérature. Nous avons fait travail là sur Rostov qui ban nous 5 étapes pour nous développer un pays à l'aide de ressources naturelles liées. Et première étape là c'était fonctionnement d'une société traditionnelle. Dans niveau nous est là, nous pour dans niveau nous est là. Oui. On va commenter chaque étape non? Non, on va même pas commenter. Okay. Vulgarisation est important, mais est-ce que Kounyan ka dit c'est mine puisque nous pas gain coup de main. C'est là on va arriver comprendre est-ce que le pas important pour nous mettre l'autre là pour nous exploiter question agricole là. Parce que si nous pas ba chaque grain haïtien manger. Est-ce que réellement nous pensons que chaque haïtien peut dire bon, l'homme, pas quoi l'homme le dit pour un monde qui. L'homme le dit un paquet de bagages pour un monde qui grand goût. Donc, qui ça nous a dit avec un monde qui grand goût, pour nous faire comprendre que ressources naturelles, ça n'a aucun gain. L'homme, bauxite, lignite. Bon, si je ne fais pas chimie, je ne vais pas compter ça que lignite là. Du coup, qui sont-ils à proposer, puisque je pense que c'est Mario qui c'est
docteur Mathurin, tu as fait de l'expérience. Qui ça explique l'échec nous par rapport avec connaissance que toute petite soyette nous maman nous qui en dehors qui a planté tu dois connaître par rapport ensemble avec ressources ça parce que c'est avant que nous venons dans vraie extraction minière là en extraction haïtienne faut gagner de problèmes comme bac définir comme bac argumenter 5 étapes yo c'est l'autre problème yo faut nous t'a plus ou moins expliquer mais c'est aussi ces questions là par rapport à ça merci n'est mais que tout le monde connaît que affaires question mine en Haïti c'est un dossier la mort lié. Si on a décidé, on va le dossier ça. Premièrement, il faut qu'on qui côté ou mes pieds. Ça son premier bagaille. En deuxième bagaille, s'il vous plaît, jeunes qui ont capteur de là, qui suivent nos internautes yo, pas mener bataille ça pour contre nous. Pour des raisons que même pas cité, même pas jamais intervenu en public sous question mine encore. Il y a éteint souffle nous très rapide. C'est-à-dire, organisez-nous, parce que Mme Mathieu, il faut dire, mon Dieu, ça, faut organiser, pas faire mener la bataille en grand sec. Et, il y a Junior Jules, il y a les déplacés, qui parlait de l'Inid Maïsadla. L'Inid Maïsadla, il fait objet d'études. Ok, je comprends où tu es déplacé. Effectivement, il fait objet d'études et. L'init Maïsadla, il était capable de ben nous courant pendant 40 ans. OK? Maintenant, problème qui gagne dans l'init ça, c'est que il sulfuré. Et on l'init sulfuré mandé plus cob pour traiter. Et c'est pour ça yo pas qu'on jamais utiliser. D'accord? Sous thermal yo, oui. Nous plein sous thermal. Et sous thermal yo, sous président Magloire, yo te mette yo en valeur. Yo te fait des bassins là-dedans yo. Et même gen étranger qui te sorti en Europe, vin baigner dans bassin yo. Parce que de l'eau sulfurée, c'est de l'eau qui traite toute maladie de la peau. Curative. Voilà, c'est curative. Effectivement. Donc, c'est un bon point. Et puis, li attire touristes en pile. Ou pas imagino. Touristes, monde qui malade, surtout, l'y attire. Deuxième question, c'était est-ce que y a un cobalt dans mon la selle? Hein? Cafoufeuille, mon la selle? À mon humble avis, pas jamais y a une étude géologique qui fait sur mon la selle. Seul bah, me connaît, mon la selle, c'est carbonate de calcium que l'y gagne. Et c'est là que nous gagnons faille qui plus long sous territoire, c'est là qu'il passe. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous gagnons mine sable et boutilier, nous gagnons mine sable madangano, nous gagnons l'autre encore. D'accord? Donc, c'est carbonate de calcium qui gagne. À mon humble avis, je ne connais pas. Connaît, gagner études géologiques qui fait et non mon nacelle et qui prouvait que gagner cobalt la donne ça vraiment pas qu'on est ou te poser on l'autre deuxième l'été mon nan te poser une deuxième question pour qui ça yo campé tout contrat yo en 2013 regardez les autres ouais pied marie Pierre au mari, yo fin promettre mon merveille pour yo mener yo tourner. Et puis kounya Gironde j'ai devant peuple là k'ap mouri gangoua. Yo pa ka respecter contrat yo. Yo pa ka respecter parole yo. Donc yo passé par parlement, yo fait parlement camper tout contrat parce que c'est tout monde qui te mener yo, c'est yo gen compagnie. Qui vin fait d'appi sous ti ressources nous gagne yo pour yo quitter nous pi pauvre encore moun sa yo pa reme nous non nous même haïtien yo pa jam reme nous sous la terre parce que nous changer paradigme mondial là en 1804 pa jam blie ça yo pa jam reme nous c'est pour yo dit ou pa wè Jean y a dit au pays le plus pauvre du monde
pays le plus pauvre de la Caraïbe, pays le plus sale du monde. Ils ont presque dit, peuple sale, saute, noix, qui haïtien. C'est presque ça, ils ont dit. Alors, mettez fierté nous, parce que nous, pas n'importe qui. Nous, c'est le monde qui fait révolution déjà. Et ils ont tout peur, nous. C'est pour ça qu'ils ont crasé nous, pour nous pas jamais rien. Et puis, pour dire, l'autre, yo cap levé tête, yon kounye, pour dire, pas fait un coup, non, parce que mais comment on vini. Alors, jouette, yo, ça fait garder nous. Pour qui ça, richesse, pour qui ça, ressources minières pas vulgarisées? Moi, j'ai 40 ans depuis que je vulgarisé, moi, je suis vulgarisé la richesse minière. Regardez, ouais, toute zone que je me montre, moi-même avec Doc là, nous prenons bâton pèlerin, nous marchons sur tout le territoire, ça, yo, nous faisons réunion à paysan, yo, nous disons pas vendre nous, parce que c'est sous richesse, nous copions. Pas besoin de faire pour nous presse. Mal faire, côté mounio, gen richesse. Yo. L'homme vient faire le côté mounio gen richesse yo, m'vient Port-au-Prince, m'vient dit ça et puis yo dit ah moun sa yo fou. Comment et puis moun qui besoin chef dans pays d'Haïti, camper dans radio pour dire que Haïti son pays de seconde zone. Monsieur enfin. Pito m'pa parler. Iridium nan effectivement oui, nous gen iridium. Mais iridium nan fait objet de multiples discussions. Moi-même, m'pa vinn faire discussion. M'vini avec la science, m'vini avec recherche, m'en dit mais ça m'gagne. Ou même sou gagne opposé ou ka aller contre ça m'di a, c'est science n'a fait m'a tendé ou sou gagne raison, m'a bon raison, si m'gagne raison, faut bon raison tout. Effectivement, gagne un certain Manassé qui parlait de géologie environnementale. Oui, extraction minière là. Puisque c'est fouillé à fouiller sol là pour prendre mine. Imaginons, là yo dit ou gagne 10 grammes par tonne de minerai. Ça veut dire ou besoin tonne terre pour extraire 10 grammes là. Nous imaginons combien de terre pour fouiller avant nous joindre l'autre besoin. Donc nous ca comprendre que environnement a dégradé, c'est pour ça dans concession yo bayo gagne des articles là-dedans qui dit le ou fin fait ça faut ou réhabiliter environnement, d'accord, et moun nan gen compagnie gen tout un programme pour le bail comment la réhabiliter environnement. Ensuite comment relé petit wa OK moi remet intervention là et me penser ou son monde pour nous rencontrer avec vous. Parce que nous avons un pile échange que nous sommes capables de faire. Hein? OK. OK. D'accord. Oui. Effectivement, ce n'est pas extrait mine qui pourrait le faire développement pays. Nous extrait deux mines déjà. Ça le pote pour nous. Hein? OK. Et c'est pour ça que moi dit pour capable faire ça pour que mine extraction mine ca permettre développement pays ou gagne des prérequis ou fait pour gagner faut mettre l'ordre dans des ordres nous faut nous choisir bon gouvernement faut haïtien remet tête yo parce que c'est parce que haïtien pas remet tête yo qui fait yo pas remet monde qui dans environnement yo qui fait yo pas remet pays ya. Parce que haïtien pas remet haïtien moi là yo pas remet Haïti parce que sous terre remet Haïti ou pas ta monter dans pouvoir pousser des poches seulement à mettre corps et puis za fait l'autre za fait petit peuple za fait classe moyenne za fait pays gang prend devant d'accord détracteur détracter monde d'accord fait monde peur chita la caillou et puis ou même comme si de rien n'était. D'accord, c'est dans salon maman ou papa ou koyé. Moi-même des monde comme ça, c'est des monde qui pas aimer Haïti. Donc sous pas aimer Haïti, on va le chercher psychologiquement pour qu'ils soient pas aimer Haïti. Et là chercher psychologiquement, moi haïtien pas aimer tête yo parce que yo pas aimer gens yo. Donc sous pas aimer tête tout.
sous pas remettre tout, pas prendre les gens qui dans l'environnement. C'est pour ça, haïtien jaloux sort tout haïtien. L'on haïtien a vivre en côté, gen yon nadan yo qui évolue en plus que l'autre yo, au lieu l'autre yo épaule le pour faire pousser plus, parce que plus la pousser nous tout, nous tout l'écraser. D'accord? Donc ça, c'est quelle colonisation? Faut nous admettre li. Et pour qu'on nous admettre li, n'a pas changé mentalité. Mais faut admettre li. Pas oublier que gêne nous. Environnement modifié gêne nous pour 40%. C'est ça y aurait les en épigénétique. Ça veut dire que ça y a été joué dans ADN que y a été relé élément 90% qui pas codé, d'accord? Et ben yo ouais, là yo fait épigénétique là, yo ouais, et ben c'est lui-même qui modèle ou c'est lui-même qui bon tempérament ou c'est lui-même qui passait sa ancêtre ou t'es subi yo, li passait yo à travers genou. Donc faut comme ça pour nous résoudre problème esclavage là. Parce que nous ne pouvons jamais résoudre le problème esclavage là. Et tant que nous ne résoudre le problème esclavage là, nous-mêmes haïtiens, nous ne pouvons pas épanouir, nous ne pouvons pas bailler le maximum de nous-mêmes, donc nous ne pouvons pas développer le pays. Donc, 5 étapes là. Oui, faut nous bailler le peuple manger, faut nous éduquer le peuple là, faut nous bailler la santé. Parce que s'il ne pas manger, il n'y a pas bien santé. S'il n'a pas de santé, pas qu'à éduquer. Parce que un monde qui grand goût, un monde qui malade, ou mettez l'école, il ne peut pas prendre rien. Donc, c'est les 3 infrastructures essentielles pour nous monter niveau peuple haïtien, pour que tout haïtien, même niveau, pour que tout passe dans la même école, pour que capable de venir des haïtiens à part entière, capable de développer véritablement Haïti, Jean Tédoué fait là.